Voilà, je lance ce cours que j'ai intitulé, en reprenant le titre de Jean Madiran, Histoire de la messe interdite. Et nous partirons dans cette histoire de l'année 1969, date à laquelle le pape Paul VI publia le nouvel Ordo Missae dans son encyclique ou dans ses lettres apostoliques Missale Romanum. Et nous suivrons les années, le déroulement de cette histoire passionnante, qui va, on peut le dire, de l'interdiction de cette messe tridentine jusqu'à son retour sur les autels de l'Église romaine. Mais avec quelle difficulté de la part, c'est étonnant, des évêques, eux, qui devraient la servir. Et donc, nous commençons par ce premier cours qui survolera les années 1969-1977. Ce cours est un peu long. Ce chapitre, c'est le chapitre 1 d'un futur livre. Ce chapitre 1 est un peu long et je le diviserai en plusieurs chapitres, plusieurs cours de 20 minutes pour ne pas fatiguer votre attention. Tout d'abord, ce premier cours, l'année 1969. Malgré les raisons graves exposées dans le bref examen critique des cardinaux Tabiani et de Pacci sous la nouvelle messe, malgré leurs suppliques largement motivées auprès du souverain pontife Paul VI, malgré les prises de position de théologiens de talent, malgré l'opposition organisée de nombreux fidèles, la réforme liturgique de la messe, la nouvelle messe, Novus Ordo Missae, est imposée, appliquée, urbi et orbi avec une énergie implacable. Pour la France, ce fut le 12 novembre 1969. Par son ordonnance du 12 novembre, l'épiscopat français a institué qu'à partir du 1er janvier 1970, la seule messe licite serait celle du rite nouveau en français. Fermez les guillemets. Ainsi, le 12 novembre 1969, une ordonnance signée par le cardinal Marty, président de la conférence épiscopale française à l'époque, décide que l'usage du nouvel Ordo Missae, cette nouvelle messe, serait obligatoire à partir du 1er janvier 1970 et qu'on devra y utiliser uniquement la langue française. Il en résulte que la messe catholique, jusqu'alors en usage depuis des siècles, sera interdite purement et simplement à partir du 31 décembre 69. Par sa soudaineté, par sa brutalité, par son impérieux exclusivisme, c'était un événement sans précédent. Le cardinal Ratzinger le dira un jour, solennellement à Rome, mais c'était en 1998, bien tard. Nous le verrons plus tard, plus loin. Les catholiques pratiquants subissaient un choc dont tout d'abord il mesurait mal la portée. La messe en usage, quasiment depuis toujours, la messe traditionnelle, nommée aussi messe de Saint-Pie-V, messe tridentine ou messe ancienne, ou messe de toujours, pour utiliser l'expression de Monseigneur Lefebvre, ou est inadéquatement la messe en latin. Il s'agit de la messe catholique, traditionnelle, latine et grégorienne, selon le missel romain de Saint-Pie-V,
où la messe officielle de l'Église latine, célébrée même lors du Concile Vatican II, codifiée par Saint Pie V en 1570, mais non pas inventée ou fabriquée, car elle repose sur une coutume immémoriale, devenait ainsi étonnamment la messe interdite, à partir du 1er janvier 70. Chose absolument étonnante, invraisemblable, c'était se dresser contre le passé de l'Église, contre son histoire, contre son être historique, comme le dit très justement Jean Madiran. Comment cela était-il possible? Et pourtant, cela eut lieu. C'est l'histoire de cette interdiction que nous entreprenons de raconter dans ces quelques exposés. Il faut tout d'abord faire remarquer que l'interdiction de novembre 69 n'est pas sortie d'un seul coup du Concile Vatican II. Elle est issue d'une longue fermentation, d'un long désordre dans les esprits, d'un bouleversement liturgique déjà profondément installé quand le Concile s'est ouvert en octobre 62. La subversion en matière liturgique était allée si loin que le début de l'année 66 avait été marqué par une retentissante démarche publique, la première réaction de grande dimension en face de ce type, en face de ce que le père Congar, futur cardinal, appelait avec jubilation la révolution d'octobre dans l'Église, par référence à la révolution d'octobre de 1917, fomentée en Russie par Lénine. Cette première grande réaction publique fut une réaction de laïcs, il ne faut pas craindre de le dire, car ils eurent dans cette histoire un rôle prépondérant. Une réaction de laïcs, cette entrée, oui, que l'on retrouvera plusieurs fois. Pour le moment, c'est sur un point limité mais grave qu'il dénonce l'élimination du latin dans la liturgie. Ils adressent au pape Pie XII, Paul VI, une lettre manifeste, le suppliant de sauver le latin et le grégorien en voie de disparition. La lettre a été rédigée par Cristina Campo, qui a eu un rôle primordial dans la rédaction du bref examen critique. Elle a obtenu la signature d'artiste, d'intellectuel, ayant une notoriété intellectuelle pour la France, ne serait-ce qu'Étienne Gilson, Jacques Maritain, Julien Green, François Mauriac. La chasse au latin et au grégorien avait en effet partout commencé dès l'ouverture du Concile et s'était amplifiée à partir de l'adoption de la Constitution conciliaire sur la liturgie, en date du 4 décembre 1963. Pourtant, cette constitution ordonnait en son article 36 la chose suivante: l'usage de la langue latine doit être conservé dans les rites latins. Et dans son article 116, l'Église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine. Mais chaque fois, la règle ainsi énoncée était suivie d'un « toutefois » ou d'un « on pourra ». C'est là toute la ruse de ce concile qui en trouvait la porte aux exceptions. On pourra accorder une plus large place à l'emploi de la langue du pays, surtout dans les lectures et les monitions. Fort de cette plus large place autorisée officiellement, la plupart des évêques français
donne aussitôt, nous l'avons vu plus haut, toute la place à la langue du pays. Ceux des prêtres et des fidèles qui manifestent quelque attachement au latin sont traités d'attardés, ne comprenant rien à l'esprit nouveau, à l'esprit du concile. Une défaveur générale frappe les doctrines et les usages antérieurs au concile, et donc présumée obsolète. Au même moment et pour le même motif, les petits livres de catéchisme existants antérieurement sont disqualifiés et en pratique tous interdits. La disparition du latin entraîne celle du grégorien. D'ailleurs, le pape Paul VI tient pour acquise cette disparition. Dès le 7 mars 1965, en effet, il a déclaré « C'est un sacrifice que l'Église accomplit en renonçant au latin. » Il a cependant pris acte de la supplique internationale des laïcs organisée par Cristina Campo. Elle lui avait été remise le 5 février 1966 et le 15 août suivant, il envoyait la lettre apostolique Sacrificium Laudis aux supérieurs généraux des instituts religieux de clercs tenus au cœur, où il se prononçait pour le maintien du latin et du grégorien dans l'office choral et dans la messe conventuelle. Cependant, l'idée de réserver le maintien du latin et du grégorien aux seuls instituts religieux tenus au cœur venait en quelque sorte confirmer leur abandon général, son abandon général, ou leur abandon, oui, général, des paroisses, dans les paroisses, et le latin et le grégorien. Le principal opérateur de la révolution liturgique, nous le savons, est le père Annibale Bonini. Il est l'animateur du Concilium institué dès 1964 par le pape Paul VI pour mettre en œuvre les changements dans la liturgie. Avec toute l'autorité qu'on lui reconnaît, elle est immense, nous dira le cardinal Stickler, le cardinal Guth, auprès du pape. Il incite verbalement les évêques à faire pratiquer librement dans leur diocèse des expériences liturgiques. En janvier 67, il avait annoncé que la messe nouvelle devrait donner une image complètement différente de ce qu'elle était auparavant. Un vrai révolutionnaire, en somme. Tout au long de l'année 67, se multiplient les décrets sur le passage du latin à la langue locale, sur l'autorisation de prononcer à haute voix le canon de la messe, sur la suppression d'un grand nombre de signes de croix et de génuflexions du célébrant, sur la permission d'anticiper le samedi à la messe dominicale, d'anticiper le samedi la messe dominicale. Avec cette avalanche de petites ou grandes transformations, la liturgie se trouve plongée dans un climat d'incertitude et de précarité. En octobre 1967, Mgr Annibale Bonini, devant le synode épiscopal à la chapelle Sixtine, célèbre sa messe normative, donnant, comme il l'avait annoncé en janvier, une image complètement différente de la messe. La plupart des évêques s'y montrent réservés ou même hostiles. Il n'y en a que 71 pour l'approuver. Cet insuccès n'arrêta rien. En mai 68, un décret du Saint-Siège institue 3 nouveaux canons de la messe. En avril 69, Paul VI promulgue la nouvelle messe par sa constitution Messale Romanum, qui reprend
en les accentuant les caractéristiques de la messe normative de Bounini, ce qui aggrave les réticences et les inquiétudes. La présentation de cette nouvelle messe, appelée Institutio Generalis, et le texte lui-même de cette nouvelle messe sont surprenants, et particulièrement le fameux article 7 de l'Institutio Generalis. Nous allons y revenir. À l'automne, ils font l'objet d'un bref examen critique adressé au pape par les cardinaux Ottaviani et Pacci, puis aussitôt rendu public. Le cardinal Ottaviani le signe. Son autorité est grande. Et il fut à la tête du Saint-Office sous trois pontificats, Pie XII, Jean XXIII et Paul VI. Et il affirme que la nouvelle messe de Paul VI s'éloigne d'une manière impressionnante dans l'ensemble comme dans le détail de la théologie catholique du Concile de Trente. C'est un événement considérable. Le retentissement est énorme. De toute façon, l'incertitude est grande, car nulle part dans Missale Romanum, il n'est dit ouvertement que cette nouvelle messe va devenir strictement obligatoire, au point d'exclure la messe traditionnelle. Nulle part n'est explicitement annoncée l'intention de considérer comme abolie la bulle Cuprimum Tempore par laquelle Pie V avait en 1570 codifié et déclaré irrévocable la messe traditionnelle. Sur ce sujet, les études de l'abbé Dulac, publié dans le Courrier de Rome et dans Itinéraire, forment l'intelligence de nombreux catholiques et retiennent bien évidemment leur attention. Monseigneur Lefebvre, il me l'a écrit à moi-même, les recommande avec beaucoup d'instance. Comme je vous viens de le dire, il m'écrit qu'il veut que toutes ces études de l'abbé Dulac soient dans les mains des séminaristes et prêtres de la fraternité Saint-Pie-X pour fonder sur ces bases solides leur résistance à cet aggiornamento liturgique. Résistance que l'abbé Dulac appelle la résistance des dociles. J'aime beaucoup cette expression. Il n'y a pas de révolutionnaire dans l'esprit d'un traditionnaliste. Il y a insisté énormément sur cette expression. Autrement dit, pour les fidèles, il va y avoir une messe nouvelle qui commencera sa carrière plus ou moins vite. Elle est applaudie avec une ferveur rénovatrice par tous ceux qui aspirent au changement et voient dans toute innovation un progrès. Elle soulève aussi des critiques, mais la messe traditionnelle garde, c'est sûr, son entière légitimité juridique et morale et dogmatique. Jusqu'au 12 novembre 69, où par l'ordonnance de l'épiscopat français, nous l'avons vu plus haut, elle devient d'un seul coup la messe interdite. Ainsi, l'année 69, riche en événements liturgiques, commençait avec la promulgation pontificale d'une messe nouvelle et se terminant par l'interdiction épiscopale de la messe traditionnelle. Cette année a donc bien mérité le surnom qui lui a été donné à l'époque d'année climatérique. C'est Jean Madiran qui s'exprimait ainsi. Et nous poursuivrons cette étude assez détaillée, vous le voyez, dans notre prochain cours qui aura pour titre, après l'étude de l'année 1969, étude aura le nom année 1970. Voilà, à demain.